in a revolving door. Des chewing gum. T'es un mal. T'as cherché à t'en apprendre. Ah, filme pas, ouais, j'ai un point. L'homme. Ma casquette en plus. L'homme qui crée le buzz sur les réseaux. N'importe où il passe. On fait le code de la route. Dans les vidéos, t'as déjà vu les vidéos. Il est fou. Ça y est, les gars, je l'ai rejoint. Je suis avec Mehdi, Bastos Suite. Je vous rappelle son Instagram. Allez le follow en masse. Bon, on va au Giga Gym. Il va se détruire les jambes. Je vais me détruire le dos. Pas de triceps. Et. J'espère que vous êtes prêts, car lui n'est pas prêt. Je fais 5 minutes juste pour faire monter un peu le cœur et après j'attaque avec la presse. Donc vous allez voir sur cette séance, je fais pas de squat. Vous avez peut-être trouvé ça bizarre qu'on est sans jambes, mais comme je l'ai dit dans cette vidéo, le squat c'est pas obligatoire. Moi il me réussit pas, donc je l'enlève de mes programmes et je fais seulement de la presse. Lundi c'est pec, mardi c'est dos, mercredi c'est jambes. Le mardi, lors de ma séance dos, je fais du soulevé de terre, donc les lombaires, ils sont mis sous tension à fond. Et le fait de refaire du squat derrière, ça peut me tuer les lombaires. Donc je préfère faire la presse, mon dos il est bien droit, il est protégé. Je vous montre ça, c'est parti. Ok, on va pouvoir commencer, je vais monter tout doucement mes charges. Donc ici vous voyez, on a Giga Gym, 4 presses, il y a le choix. Nous on va prendre celle-là parce que c'est les quadriceps, je le rappelle, que je vais vouloir cibler aujourd'hui. J'aurais pu prendre celle-ci mais c'est plus pour les fessiers, vous voyez la plaque elle est un peu plus haute. Et nous ici on va chercher à mettre les pieds le plus bas possible sur le plateau. Donc là on a mis 300 kg. Donc les gars, si je mets autant sur la presse, je suis capable d'avoir un contrôle sur mes mouvements. Je pourrais mettre plus lourd et avoir un mouvement dégueulasse, mais je le ferai pas. Donc là on est parti, première série, 8 gilets. C'est passé de j'irai, ça va. Franchement, c'est lourd. C'est très très lourd. Mais ça va, j'ai réussi à les passer. Je vais pas aller plus haut. J'en ai assez. Les personnes qui font des mini répètes, là, ça sert à rien. Je pourrais mettre 500 kg et en faire 20 des mini répétitions. Ayez la plus grande amplitude possible. Les quoi? Les go lift. C'est quoi les go lift? C'est les gens qui mettent trop lourd sur la presse. De 180 en tout. 180, donc trop dur. Ah, voilà, 360. Donc 360 plus le sol. Le sol qui doit faire 60 kg. Bon, c'est pour essayer. Non, mais je vais pas faire lourd, je vais juste montrer ce que les gens font à la salle. Ils mettent très lourd, tu vois, pour pas faire de lourd. Et au final, ils font ça comme ça. J'espère que je vais pas mourir. Voilà.
Et là, je peux en faire 50, hein, comme ça. Là, vous pensez que je travaille, mais il n'y a rien du tout. Et toi, il y a combien? 200. Mytho, montre-moi. C'est des faux points. Et pire, pire, pire. Il y a des mecs qui font ça. Ils mettent les mains. Ils poussent, ils poussent. Ça, ça sert à rien. On voit une fatigue, là. Alors que si on descend, on va chercher la tension, tension, tension. Là, c'est plus dur de remonter. Il y avait un peu trop lourd, j'avais pas descendu jusqu'en bas. Mais en vrai, il faut avoir encore une plus grande amplitude que ce que je veux. Le premier exercice, il est terminé. Mais dis, tu peux aller faire ton super set. Désolé, 3 de repos. 4 minutes de repos. Cours, cours, cours. Non, je reste là. Va t'entraîner. Je vous nique. Putain, je vais devoir ranger tout ça maintenant. D'habitude, je suis à base étude quand je fais cette séance et je fais du squat à la Smith Machine. Mais ici, je vais en profiter. Ils ont un hack squat. Donc ça, il n'y en a pas partout. Donc là, c'est l'occasion. C'est le même principe, hein. 4 séries de 12 répétitions et là on prendra seulement 1 minute 30 de repos. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Les jambes, elles sont en feu. J'en tremble. C'est différent que sur la Smith Machine. J'ai mis 60 kg de chaque côté et ça me paraît plus lourd que d'habitude. En temps normal, je mets 60 kg hein, sur la Smith Machine en squat, mais notre buste, il est droit sur la Smith Machine. Sur cette hack squat là, la machine, elle est inclinée. En tout cas, je le ressens, c'est beaucoup plus dur. Ok, troisième exercice, presse à l'horizontale cette fois-ci. Vous voyez, je varie les angles. Essayez toujours de changer vos angles de travail. Donc sur cette machine là, c'était un peu plus incliné. Maintenant on va aller là-bas, c'est la presse horizontale. Et je vais travailler en unilatéral. Donc ça pareil pour les footballeurs, votre sport vous demande d'être à l'aise sur un pied. Donc n'hésitez pas à travailler en unilatéral, ça vous servira durant vos matchs. Et pour ceux qui veulent juste gonfler leurs muscles, le fait de travailler en unilatéral, ça peut être intéressant pour rattraper un point faible par exemple, ou avoir de meilleures sensations sur une jambe si jamais on a des équilibres. Donc là on est parti, je vais faire 3 fois 10 répètes par jambe, donc là ça va aller vite. Troisième exercice presse, allez à tout de suite. Bon, je viens de dire que la presse là, le dossier il recule quand on pousse sur la jambe, donc ça va être bizarre, mais on va essayer comme ça. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Oh,
pas mal. C'est bizarre, mais c'est pas mal quand même. Putain, je suis bête. Il y avait un hack squat vertical là-bas. J'avais pas grillé. Moi, je l'ai fait en incliné. Bon, c'est pas grave, on aura travaillé différemment. Ouais, c'est parti. Quatrième exercice superset, donc 12 front squat et 12 sissy squat. Au front squat, je prends 30 kg, j'essaie d'avoir un mouvement rapide et ensuite comme sissy squat. Une bonne tension. Qu'est-ce qu'il m'a fait ça? Là il va pas se prendre un shaker, il va se prendre un rail de coq le gars. Toujours fou, hein. Il se passe toujours des trucs bizarres avec lui. Hein. En vrai je devrais toujours garder ma caméra allumée, mais c'est la merde. C'est pas fini. Regardez-moi ce rail qui va se faire. Ah non, d'accord. Ok, donc t'expliques ce que t'es en train de faire là? Pourquoi tu fais ça? Là en fait j'ai pas réussi à mettre ça dans ça et dans la bouteille. Donc là on va passer par le côté obscur de la force. En gros il n'y a pas de shaker ce type. Du coup, il a gratté ça. Il y a eu un cadeau au final au salon du BodyFit. Il a eu son cadeau. Et là, il s'en sert. Et regardez ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait de ses cadeaux. On en prend tout, frère. C'est la hasse. Et merci, merci. Il veut pas perdre un gramme de protéines. Voilà. Comment on va faire la gros? C'est encore pire. Il y aura un problème. On va chercher le shaker. Ok. Il a réussi à faire son petit shaker. Mehdi, on te reconnaît. On sait que c'est toi. Ouais. Fin de séance, vous m'avez suivi pendant cette séance quadriceps, donc vous avez vu le véritable split. On coupe les pecs et le dos, donc moi j'ai décidé aussi de couper les quadris et les ischios. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas, lâchez un petit like et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Guten Tag. Guten Tag.